Plaisir de vous retrouver pour ce deuxième numéro dans toute simplicité. Aujourd'hui, dans le cadre des commémorations du centenaire, je vous propose de partir à la rencontre de personnes qui, chacune à leur manière, 100 ans plus tard, font vivre la mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale. Bonjour Anna. Bonjour Florence. Donc tu es aussi le Daily Mail et c'est à toi qu'on doit cette magnifique expo. Alors je suis à l'origine de cette exposition, mais c'est un projet participatif qui a été fait avec 500 personnes rencontrées par les réseaux sociaux essentiellement. Donc en fait, 1000 mains ont tricoté ces 781 soldats. Voilà, c'est ça. C'est un projet qui a duré un an dans sa réalisation, mais qui a été porté pendant 4 ans en tout. Effectivement, il y a 1000 mains pour tricoter ces 781 soldats. Donc cette exposition s'appelle la Wool War One, en référence à la Première Guerre mondiale, qu'on a tricotée là en laine. Combien on a de nationalités sur cette armée ? Alors il y a 19 nationalités différentes. Au départ, il n'y en avait qu'une. J'avais l'intention de tricoter que des poilus. Mm-hmm. Et en fait, très vite, on a compris la nécessité que toutes les nations impliquées dans le premier conflit mondial soient représentées. Y compris les Allemands, y compris les Turcs. Enfin, on parlait plus d'ennemis, en fait. Et donc, c'est une guerre mondiale. Comme le premier conflit l'a été, cette guerre en laine a aussi été tricotée par des mains du monde entier. J'ai voulu reprendre les codes de la guerre dans la réalisation du projet. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une espèce de mobilisation générale, il y a eu des pactages envoyés avec les pelotes de laine, les instructions. Et je voulais que la dimension mondiale soit là aussi dans la réalisation. Donc voilà, moi je voulais qu'on puisse pas s'attribuer un soldat particulier dans l'armée. Donc du coup, les gens qui recevaient, les tricoteuses qui recevaient la laine recevaient de quoi faire un élément des soldats. Donc ça pouvait être la vareuse, ça pouvait être le casque, les chaussures. Elle me renvoyait tout ça après et tout ça était assemblé. Ce qui fait que chaque soldat, en fait, est la synthèse du travail d'une dizaine de tricoteuses. Le 11 novembre, on célèbre la fin de la guerre de 1914 à 1918. Cette année, le 11 novembre, c'est aussi la fin de la Wool War One. Moi, je voulais qu'elle disparaisse à la fin. Moi, je trouve que le souvenir, ça doit être immatériel, qu'on doit l'avoir en soi. Donc, je voulais qu'il reste que le souvenir de cet épisode-là, de ce projet, et que les soldats soient démobilisés comme ils l'ont été en 18, pour ceux qui étaient encore vivants à l'époque. Donc, je voulais vraiment que le terme du projet soit le terme de la guerre, que les deux aillent ensemble. La fin de la Wool War One a aussi du sens dans la mesure où les soldats ont été proposés à l'adoption et donc les fonds collectés seront reversés à Médecins Sans Frontières, c'est bien ça ? Il y avait du sens à partir du début, donc tous les éléments du projet, je voulais que la fin elle ait du sens aussi et je voulais en fait qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Je me suis dit qu'il fallait que ça serve pour le coup à venir en aide, en soutien aux victimes des guerres actuelles. Les guerres actuelles, on les voit moins, elles sont loin, on en entend parler, mais on les mesure pas forcément. N'empêche qu'elles sont réelles et qu'il y a quand même des gens victimes de guerres actuelles. Et je voulais ça. Je voulais qu'en fait ça se transforme en geste authentique pour les victimes des guerres actuelles. Merci Anna, bravo. On les quitte le cœur serré, mais content de voir le projet aboutir, d'autant plus chez nous. Face aux terris, au pied des sites de mémoire. Et pour moi, c'était le meilleur endroit pour que ça se termine. Donc, je suis vraiment ravie que ça puisse se terminer de cette façon-là. Donc, on peut encore les voir jusqu'au 11 novembre. Oui. Et puis, ceux qui les auront adoptés leur auront offert un nouveau foyer, la paix, la liberté. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Une belle prochaine vie. Merci beaucoup, Florence. Merci Claire de nous ouvrir les portes de votre gîte, les chemins de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire.
crois que vous avez peut-être été une des premières ici à croire au chemin de mémoire en ouvrant ce gîte. Oui, toute petite, c'était... on m'avait parlé des chemins de mémoire et je ne savais pas ce que c'était. Cependant, je venais souvent me promener sur la colline de Lorette avec ma grand-mère et mes sœurs et on pique-niquait tranquillement derrière le cimetière national. Et ma grand-mère nous disait toujours que son oncle était décédé tout près des collines de Lorette. Et c'était un mystère pour moi. J'ai toujours voulu savoir où c'était. D'accord. Ça s'est endormi au fond de moi-même. Et puis quand on est arrivé ici il y a une vingtaine d'années, ça m'est remonté et j'ai compris ce que c'était que le travail de mémoire parce qu'en fait, je voulais partir à la recherche de mes racines. D'accord. Et finalement, c'est en ouvrant ce gîte que vous êtes... revenu un peu en arrière et vous avez remis au jour cette envie finalement de travailler sur ce sujet. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, votre gîte, vous accueillez aussi surtout cette clientèle qui est à la recherche de ses racines. Nous accueillons effectivement ce type de clientèle qui arpente les chemins de mémoire. Mmh. Nous accueillons aussi des familles qui viennent découvrir la région et c'est, depuis 2-3 ans, c'est nouveau. Oui. Ils viennent et ils cherchent un cocktail d'activités pour les enfants, pour eux, mais aussi pour faire du patrimoine et du culturel. Sur les chemins de mémoire, vous accueillez plutôt des Britanniques, des Canadiens et même des Australiens, je crois. Oui. Ça, c'est plutôt chouette comme rencontre. Alors, on a eu des Australiens qui sont venus 3 fois en 4 ans. Mais les Australiens... c'est vraiment des grands voyageurs. Ça les dérange pas d'aller 2 jours à Paris, 3 jours à Londres. Oui. Vu d'Australie, oui, ça se... Tout est à grande échelle chez eux, donc faire 500 kilomètres, c'est rien pour eux. Ouais, et finalement, le fait de venir ici, autour de Notre-Dame-de-Lorette, pour eux, c'est vraiment un point d'ancrage et ils rayonnent. Voilà. Du coup, en fait, ici, ils peuvent tout vivre à proximité. Il y a une large palette qui leur est proposée. Aussi bien dans le culturel que le chemin de mémoire ou dans le loisir famille. Alors Claire, on est ici sur le site de l'Anneau de la Mémoire. Je pense que c'est un lieu où vous emmenez régulièrement vos hôtes. Oui, c'est un lieu que j'apprécie énormément. C'est un moment d'émotion et de partage avec les gens que j'accueille. Oui, en fait, vous les emmenez chercher leur nom. Ils sont à la recherche de leurs ancêtres et veulent confirmation s'ils ont participé à la grande bataille d'Artois. D'accord. Donc en fait, c'est encore une fois une histoire de racines qu'on vient chercher ici. C'est une histoire de racines et quelque part, je suis passeur de mémoire. Ah, c'est joli ça. J'aime bien l'idée. Écoutez, merci beaucoup. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci, bonne continuation. Merci et à très vous. Bientôt. Merci à vous, Florence. À bientôt. Si vous souhaitez participer aux commémorations, je vous donne rendez-vous ici même le dimanche 11 novembre à 15h pour un spectacle de danse contemporaine intitulé L'oubli, puis une retraite au flambeau et enfin un parcours son et lumière au centre d'histoire du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. Vous retrouverez l'ensemble de la programmation des commémorations sur le site internet www.memorial1418.com. Donc on se retrouve le 11 novembre ici et à très bientôt pour un numéro dans toute simplicité. Salut toi, tu es vraiment trop mignon. Je t'adore. Quand t'as défilé pour la première fois, je t'ai vu. Tu vas en adopter un? Oui, je vais en adopter un. Bah oui, hein. Tu vas venir à ma maison, toi. Ou un autre. Un copain. Ou même deux. Peut-être. Pour pas que tu sois tout seul. C'est mieux.